Depuis toujours, voler est un rêve qui fascine l'humanité. Un rêve devenu une réalité et une passion pour des générations d'ingénieurs. C'est sans aucun doute pour partager cette passion que Michel Cazin, Maurice Pradier et Paul Lefort ont fondé l'IPSA en 1961. Est-ce un hasard si la première promotion sort de l'IPSA en 1965, une année de record dans le domaine aérospatial? Depuis 60 ans, l'IPSA est un acteur à part entière de cette aventure inspirée par le courage, l'imagination et la foi des ingénieurs, des pilotes, des constructeurs, des transporteurs. Une aventure qui repousse toujours plus loin les frontières de l'innovation avec des multitudes d'applications dans tous les domaines. La vocation de l'IPSA est de transmettre cette passion, le regard tourné vers le futur et ses enjeux, en particulier environnementaux, qui nécessite d'imaginer et de concevoir des solutions à la pointe de l'innovation industrielle. Intégré au groupe IONIS, l'IPSA a su se démarquer des autres écoles d'ingénieurs grâce à son cursus essentiellement tourné vers l'aéronautique et le spatial et vers ses nouveaux défis de mobilité durable auxquels elle prépare ses étudiants. Le programme des enseignements évolue au fil des ans pour répondre aux besoins des entreprises et aux problématiques de gestion de l'énergie et de développement durable. En devenant société à mission en 2021, l'IPSA renforce son ambition pour former des jeunes ingénieurs passionnés, capables de penser le monde d'après, de participer au renouveau du transport, du spatial et d'imaginer l'avion de demain. À quoi ressemblera-t-il cet avion? Personne ne peut le dire avec certitude. De nombreuses pistes se dessinent. Des nouvelles formes, de nouveaux moteurs sont à l'étude pour réaliser des économies d'énergie. Une chose est certaine, son empreinte carbone devra être considérablement réduite et les futurs ingénieurs doivent se préparer à tous les scénarios technologiques possibles. C'est un pari fou, comme l'ont été tous les paris qui ont rendu possible la conquête de l'air et de l'espace. L'espace, où les défis, là aussi, sont gigantesques et passionnants, avec la gestion des débris spatiaux, la question du tourisme spatial, des projets d'habitats spatiaux, de bases lunaires. La vocation de l'IPSA est de donner à ses étudiants la formation et les outils pour relever les défis internationaux de l'espace du futur et innover au service de la société et de l'environnement. Et c'est vous, diplômés et futurs diplômés de l'IPSA, qui êtes et qui serez en première ligne pour participer à la construction du monde de demain, aux défis de la mobilité durable et aux changements extraordinaires de civilisation qui s'annoncent inévitables et nécessaires.